Bonjour, monsieur, dame. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. On est parti pour une petite attaque d'insectes, d'organismes modifiés génétiquement. Alors, j'ai remballé mes copains ici. J'ai bien vérifié que les portes soient fermées. J'ai changé les animaux. Non, je crois que je vais même rester en être amoureuse. Donc, ceux-ci ne vont pas aller dedans. Et on va... voilà. Il y en a qui sont occupés de mettre leur casque. Voilà, Dan est prêt. On va envoyer Dan. Mais pour le moment, il est occupé de récolter. On va laisser les autres venir ici. Un petit gars, on se dépêche. La porte se referme, c'est exactement ce que je voulais. On n'est pas hyper pressé pour aller les chercher. Mais on est quand même... Ah, c'est bien. Voilà. Toi, tu mines de là. Oui, c'est peut-être pas le bon moment. Allô, hein. Ok. Allô, tu vas venir te positionner. Un, deux. Viens ici. Mon ami Dan. On va te laisser faire 2 minutes, toi tu manges, le temps que les autres viennent faire leur petit truc. Alors, Decker, mon ami Decker, tu vas pas miner non plus, tu vas venir te positionner. Voilà, tous les autres ont un petit peu de job. Oh, Maker est qui? Maker, avec qui es-tu, mon petit? Maker, avec ton libellule. Le libellule a changé d'avis. Bon. Bon. Avec Chouane, faudrait que tu fasses. Avec Vache ou avec Chouane, tu devrais t'en sortir pourtant, hein, Maker. Maker. Un peu limite là. Bon, allez, continue. Grizzly va mettre son petit chapeau. Allez, Bud, libellule. Tu as un, ok. Mur en acier, bah tu vas faire ça après. Hein. Tu vas venir, là tu peux pas venir, là tu peux venir. Ensuite, Dan. On va te laisser finir de récolter, le temps que mes copains viennent. Voilà maintenant autre chose, un hiver volcanique. Les plantes souffriront du manque de soleil. Par contre, les températures vont chuter. Ouais. Ok. Bon, on va voir ça. Hein. Alors, les bestioles viennent d'arriver. Dire bonjour. Combien avons-nous de petites bestioles? 37 moins 4. Ouais, ça va. Hein. 37 moins 4, 33. Docteur. Ok, Sky, t'as fini. Allez, tu vas venir ici, Sky. C'est toi qui te mets au milieu, ma belle. Dan. C'est terminé. Vache, on te laisse terminer. Maker, pour le moment, tu fais ton petit job. T'es un petit peu loin, donc tu vas venir ici, mon petit. Ensuite, Marchiste. Bon,
toi tu viens ici. Aussi. Alors, où est-ce qu'on va te positionner? Dans le coin là-bas, mon petit. Allez, hop. Là, donc on va devoir venir ici. Hein. Alors, le chauve, mon petit. Je voudrais que tu ailles faire ailleurs, autre chose. Bien. Bonne, tu es prête? Tu es prête. Va manger. Lizzie, tu es prête? Tu es prête. Ok. Becker, t'es prêt. Libellule, t'arrives. Dan. Bien. Viens ici. Sky, tu te déplaces. Anarchiste, tu te déplaces. Allô, t'es prête. Maker, tu te déplaces. Vache. Ah ben on y va, vache. Vache, ma belle. Viens là. Et Bud, fini de manger. Et puis, viens. Il n'y a plus de place, mais tu peux venir ici quand même. Voilà. Allez, tout le monde est prêt. Ok, pendant ce temps-là, Jean, je voudrais que tu installes des lits excellents. Un ici et l'autre lit excellent à côté. Voilà. C'est parti, mon kiki. On attend qu'une personne, Bud. Ok, bam. Viens ici. Sky. À côté. Grizzly. Allô. Oh. Libellule. Pas besoin de voir clair. Becker. Eh, viens là, toi. Anarchiste. Becker. Et enfin, vache. Ah ben, voilà. Et en petit dernier, Bud. Qui va venir ici. Ici, on garde la porte ouverte. Toi, tu viens ici. Et puis tu reviens par ici. Stop. Arrête-toi. Allez, Sky. Encore fait un peu le con, moi. Comme d'hab. Allez, ça pêche. Est-ce que tu tires, tu tires, tu tires, tu tires, tout le monde tire. Allez, les petits gars.
Alors, est-ce que nous allons demander à notre ami Libellule faire un petit étourdissement? Libellule. Contusion, tiens. Marrant ça. Allez. Waouh. T'as bobo, hein, mon petit, quand même, un petit peu là, hein? D'accord. Sky. T'as ta petite grippe, mais ça va, hein, manipulation, t'es bonne, hein? Ouais. Bah, ça va aller sans problème tout ça. Ah, sensibilité psychique 1, ça veut dire quoi ça? C'est un petit peu difficile de s'y retrouver là-dedans, hein? Ici, dedans, on a quoi? Là, j'en vois un. Méga araignée femelle. Ouais. Ok, ils ont terminé. Ok, il n'y en a plus que trois. Je voudrais ajouter ici l'hiver, à mon avis. Non, on pourrait faire là. J'ai besoin. Déjà, Grizzly, tu vas. Toi, tu vas rentrer. Mais tu vas être soigné, mon petit, hein? Grizzly. C'est parce que tu récoltes, ok, 4. Alors, comment faire pour voilà, tous les spélopèdes d'hiver 2. Spélopèdes d'hiver 3, voilà. Je pense que c'est bon. On voit plus rien.
Donc, bam. Aloysius. Ah. C'est pas fini. Faut croire que c'est pas fini. J au sol. Non, maman, ils sont terminés, hein. Voilà. Ouais. On a quoi? On a Mike. Okay. Bam. T'as pas été touché, toi, ma biche. Mais t'en as de la chance. Ici. Ensuite, allô, bah tu viens ici. Puis on verra. Donc, Libellule, je te renvoie à la maison. Sky, tu retournes. Et Grizzly. Ensuite, anarchiste. Donc, c'est qu'il y en a encore qui se promènent. Ici, un autre, doit en avoir un autre qui se promène, je ne sais pas où. Bon, les cadavres, on les vire. Et il reste quelque chose qui traîne. Libellule, tu fais quoi? Ok. Decker. Tu sors de là. Bob, tu sors de là. Baker, tu sors de là. Vache, tu sors de là. Vache, tu vas venir. Et Méga Rémi est là qui se promène normalement. Ok. Libellule. Voilà, j'en ai un. Toi, Decker. Dur. Il est mal. Ok, Maker, même chose. Allô. Tu viens ici. Donc, Christ. Ok. Anarchiste.
L'anarchiste. Dame. Allô. Est-ce qu'il y a encore des survivants? Je crois pas, hein? Bah, je crois que c'est bon là. Dame, tu t'es fait toucher par quoi, mon ami? Je parie que tu me suis fait tirer dessus. Enfin. Je viens de me faire tirer dessus par Decker. Comment ça, par Decker? Où es-tu, Decker? Bon, bah va, t'as fini alors. Finis ça. Ok, maintenant tu rentres. On va te soigner. Toi, mon ami. Toi, quand même, mon ami. Et. En même temps, Dan, tu vas transporter, c'est bien. Et tu tires sur celui-ci. Ok, messieurs, vous pouvez rentrer. Transporte méga scarabée, anarchiste, il n'y a plus que toi. Et tu peux rentrer aussi. Et transporter. Bien. Ici, nous voulons avoir un lit médical. Et nous voudrions bien que notre ami vient de se reposer. Voilà. Les bellules, t'as quoi, toi? T'as un petit coup au bras droit, ce qui est absolument rien. Grizzly, on va. Des contusions, une petite fracture, 2-3 points. Quelques points ici. Vieille blessure par balle, oui. Une contusion, tout ça, c'est parfait. Alors, ma belle Sky, comment vas-tu, toi? Des contusions, des mécanites. Ah. Combien de points? 2 points, 5 points. 2 points. Pas de sang. Allez. Vache vient soigner ses petits personnages. Bien. On va autoriser les animaux. Pas comme ça, non. Tout simplement, on va reprendre les animaux et on va les remettre en herbivore. Et le carnivore, bah, si tu bouffes un petit morceau d'insecte, c'est pas très important. Ok.
vache, après tu iras me soigner Grizzly. Voilà. Dan, je suppose que tu vas te faire soigner, non? Je vais quand même t'aille te faire soigner, mais je suppose que tu vas y aller bientôt. Puisque Grizzly est occupé. Vache, 17%, t'as connu meilleur, hein, ma biche. Ah, voilà, 36%, c'est bien meilleur, ça. Anarchiste. Viens nettoyer le sang, s'il te plaît. Voilà. Merci, anarchiste. Là, nous avons Libellule et nous avons Dan. Dan, il faut aller coucher, mon gars. En train de prier. Quelle drôle d'idée. On va pas aller prier là-bas, mec. Dan, t'as pas de lit, toi? Ouais, pas un lit, hein. Bon. Bam. On va prier. Regarde comme ça peut aller entre 49 et 13%. Alors c'est amusant quand même. 46, c'est bien, bien soigné ça. La 22. Voilà, 43. Tu vas soigner Libellule maintenant, je crois. Pas sûr. Hein. Non, je crois pas que tu aies besoin d'aller la soigner pour ce qui traîne. Il y a juste Dan qui devrait... qui va aller dodo. Et ça, voilà, normalement là tu vas faire dodo, c'est bien. Et donc vache, allez, viens vite soigner Libellule, et puis tu vas soigner Sky. On voit que il y a vraiment, on est pépère avec ça en tout cas. Pour le moment, on laisse ça ouvert, et celui-ci également. Comme ça, on peut transporter plus facilement. Donc là, vraiment, on est bien pépère. Alors, les hivers volcaniques, quelle heure est-il? Il est 11h du matin. Si on regarde ici, qu'est-ce qu'il nous dit? 45%. Donc la luminosité... On ne sait pas très bien de combien elle est. Toi, croissant 59%. Mais nous sommes à une température de 43, donc on a 8 degrés en moins, ce qui est tout à fait suffisant. Normalement, ça devrait être 100%. Et donc, c'est de la lumière qui nous manque.
Et il ne me dit pas combien j'ai de lumière là. Si je mets ici. Voilà, bien éclairé, 95%. Nous sommes à 95%. Donc tant qu'on est au-dessus de 51, il n'y a pas de problème, normalement. Par contre, je suis un peu étonné que tu ne me donnes pas plus. Oui, 93, ça va. Calibalu l'a guéri. Et nous sommes occupés de soigner. Voilà, tout le monde est soigné. Vache, tu vas faire dodo, c'est bien. Ok. On a de la viande. De la viande. Intérieur 26. Intérieur 24. 24, on est bon. Vous autres, 23 jusqu'à 17 là-bas. Et ici, on est à l'aise avec 19 aussi. Et 21. Et toi ici. Et toi, le déneige. Moins 3. Ok. Je pense également que quand on aura vidé tous les blocs de rochers, on va aussi être beaucoup mieux. D'ailleurs, je voudrais que mon copain me fasse des petites sculptures en ardoise, s'il te plaît. Ouais. Je vais encore en faire une en plus. Voilà. Tant qu'elles sont là, les infestations, hein. Quand elles vont venir dans ce coin-ci, on va souffrir un petit peu plus. Et j'aurais dû, je vais dire, installer je crois que je vais creuser ici les trois cases là. 1, 2 et 3. C'est dans le cas où il y a une infestation quelque part. On peut la faire là. D'accord. Toujours compter là-dessus. Hein. Bon, il n'y a pas beaucoup d'autres endroits. Hein, mais bon. Là, ça va. On tient à 3. Là, on tient à 3. Ici, on tient à 3. Enfin, à 9, je veux dire. Montre-moi un peu comment tu vis, mon petit âne. Tu as faim, hein? Ouais. Ok, c'est bien. Moi, je te changerai bien ton bras droit. On va te laisser manger. Bam. Mange et Sky. Tu te reposes. Tu as un peu de douleur. Chauffe, t'es où dans le coin, toi?
Est-ce que si j'augmentais la vitesse, ça n'irait pas un peu plus vite? Ouais, on dirait que ça marche. Ça marche. Ce bouton fonctionne parfaitement. Sky, complètement guéri, ma biche. Donc, comment on appelle ça? Bien, ma chérie. Bam, ça devrait suivre. SD. Ah, pas me faire une petite. Bon, hiver volcanique. Alors, luminosité. Là, il fait sombre parce que c'est la nuit, bien sûr. Alors, on voit que Libellule est parti construire. Ah! Oui. Donc là, tu me construis le mur. Et puis tu me fais le toit, le mur, le mur, le mur. Ah, tu peux peut-être pas là. Wait. Ici le mur. Déjà. Ok, le mur ici, comme il y a plus. Ok, donc ça c'est bon. Ok, tu peux y aller ma belle. Au niveau des murs ici, j'ai besoin de me faire une zone de plafond. Ici et pourquoi pas comme ceci, ce qui veut dire que ça va ralentir. Ouais, on peut faire du plafond comme ceci. Je pense que là, ce serait pas mal. Belle, fais-moi un petit peu des plafonds. Tu peux faire ça? Ouais, bah tu feras ça plus tard. Ok, pas de problème. On va laisser aller. On va pas vous forcer. Hein. Vous voulez pas? On va pas vous forcer. Toi. Ok, rôdeur est complètement guéri. Excellent. Voilà, les belles l'air partie. Et là, parti manger. Bon, ok. Fais-moi vite un petit toit là. Ouais, ok, laisse tomber. Allez, on avance. Alors, ici, nous avons fini. Donc, on va refermer la porte hein, parce que nous sommes avec Randy. Et Randy, il peut être très méchant et mettre une deuxième infection directement après la première, n'est-ce pas? Ensuite, on va maintenant ramener tout ça. Alors, Grizzly, vache, Libellule, Grizzly, t'as vraiment besoin? Tu as vraiment besoin, mais tu as faim.
et libellule. Tu construis. Mais avant de construire un 3, ma chérie, tu vas me mettre ça. Termine le mur, s'il te plaît. Hein? Non? Ouais. Chauve. Faites-moi déjà ça, mon ami. Les bellules. Ça vient, petit à petit. C'est bien ça, là, ici. Le cœur qui dépaisse. Ok. Vache, tu transportes un lit. Tu me nettoies d'abord. Ok. Ok. Nos animaux. Alors, est-ce qu'on a des mâles supplémentaires? Oui, on a un mâle de trop. Un mâle de trop qui va mourir également. Ok. Du tout, c'est bon. Anarchiste, tu vas nettoyer, mon gars. Je viens à peine nettoyer parce que là, c'est du crâne. Ah, arrête, je suppose que c'est pas du bon côté. Ouais, c'est de l'autre côté. Montre-moi un peu ça. Alors, il n'y a que toi, ta bio. Tu as 39 ans. Tu n'as aucune incapacité. Tu es incisif, tu es une mauviette et tu es boulimique. Tu as tout pour toi. Tu as une très bonne mêlée, hein. Mais tu vas crever là-bas quand même, mon ami. Malheureusement, j'ai pas besoin de toi. Allez, quoi, s'il vous plaît. Je veux des raids, mais du bon côté. Alors, je voudrais également que mes assignations. On enlève tout ça, c'est pas la peine de garder un casque sur la tête, mes enfants. Voilà. D'équerre. Je vais dormir. Fais-moi un petit peu de nettoyage. Despélopède en pleine migration, c'est de l'autre côté aussi. C'est pas trop dégueu, un petit peu, mais... Ça va revenir.
Ouais, lance l'assaut, mon ami, lance. On va refaire une, pour le moment, une petite zone de décharge. On va la mettre ici, hein. Voilà. Avec uniquement basse tous les morceaux sauf l'acier. Alors, c'est où? C'est pas chez nous. Je vois pas. Chauffe. J'aurais voulu que tu, quand tu as fini de manger, tu vas venir un petit peu aider notre ami Sky. Viens un peu ici, s'il te plaît. Et dis-moi un petit peu que tu peux aider Sky. Et je voudrais voir si ça donne quelque chose. Donc nous avons en moyenne ici une douleur de 20%. Et nous sommes passés à faible quand même. Ok. Ça va, chauffe, tu peux sortir de E. Allez, come on boy, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Fais ce que tu veux. C'est chauffe que je veux enlever. Parfait. Alors, c'est quoi maintenant? C'est une éclipse. Ok. Est-ce que nous allons avoir assez de jus? Il est quelle heure? Il est 16h, donc il n'y a plus rien qui pousse. Et nous tournons encore à 6200 watts. Tout ça va bien. Eh bien, ça va. Vas-y, tu me fais. Tu vas récolter un plantier. Je voudrais que tu me fasses d'abord transporter ça. Bud. Tu transportes ça. Sky. Tu transportes tout ceci. Allez, souris. Ok. Un contrat pour des assistants. Allez. 3 étoiles de nouveau. 7 colons pour 27 jours. Tu te fous de moi là, hein, mec. Mais oui, tu te fous de moi. Mais bien sûr que tu te fous de moi. Où est-ce que tu veux que je te donne 6, 8, 10, 11 colons pour 4000 balles. Eh ben, dis donc, c'est pas fort payé, hein. Ça commence à bien se remplir, mes petits enfants.
pas. Risque de démence mineure. Alors, la démence mineure, c'est pour qui? Fort pour les mâles. Ah oui, d'accord. Ah oui, quand même. Ok, c'est quand même ici, hein. Ne rêvons pas. Donc, nos casques. Toi, mon ami, tu prends ça. Allô? Tu viens prendre celui-ci. Un marchiste. Donc on en aura un, j'en ai deux là. Tu prends celui-ci. Trois. Decker, ben normalement toi tu ne devrais pas avoir de trop de problèmes, hein, tu n'as que 15. Hein. Un peu comment ça va aller. Hein. T'as pas trop le choix, mec. Hein. Genre, ça va aussi. Hein. Pratique, hein, parce que 30 points dans le nez, c'est quand même pas mal, hein, je dois dire. Merci, anarchiste. Regarde comme t'es joli avec un beau petit chapeau comme ça. Hein, t'es beau. M'en manque plus qu'un, puis on aura tout. Hop, vas-y. Je vais me prendre ça. Transport gelé d'insectes. Ouais. Bien. C'est bien. Est-ce qu'il y a encore de la place pour la gelée? Ouais. Encore plein de place. Allô. Ça, 100%. Allez, petits gars, c'est le moment de faire l'amour. Voilà, vous avez tout compris, les petits enfants. Je suis content, mon ami. Tu vois que ça fait du bien, ça. Regarde un peu. Vise-moi le beau plus 19 que tu viens de te péter, mon gars. Et alors, le petit truc pour... l'exhausteur d'amour, ou je sais plus, un truc dans le genre. Ben, ça augmente ce bonus. Je ne sais pas de combien de pourcents, peut-être de 50%. Donc l'exhausteur d'amour, là, en bionique, là, bah, il ne faut pas le mettre sur les célibataires. Hein. Sinon, tout ce qu'ils risquent d'avoir, c'est mal au bras et peut-être bien devenir sourd. Hein. Et là. Non, enfin, trêve de plaisanterie, ça ne sert à rien sur un célibataire. Tout ce que ça fait, c'est augmenter votre bonus. 27 degrés intérieur, alors, pantalon, on s'en fout, il fait 37 en extérieur, c'est bien, ça a diminué. Par contre, au niveau de la lumière, il est 5 heures du matin, il fait sombre à zéro. Ah ouais, carrément, là, il n'y a plus du tout de lumière. Là, il n'y a plus du tout de lumière. Ça, c'est bien dommage. Pas besoin de lumière. À 6 heures du matin... Sombre 25%. Voilà. Peut-être qu'à midi ça va augmenter un peu plus. Voilà, non, ça augmente pas terrible quoi. Hein? Bon, une fois que nos machines seront construites, toi je t'éteins. Toi je te désactive. Voilà. Alors, j'ai demandé pour en avoir une ici aussi, que je désactive aussi. À quoi ça me sert? Ça me sert à ce que les pirates, enfin les gens qui vont venir attaquer, ben, soient découragés de passer dans le rayon de cette arme. Et donc, s'ils venaient creuser ici, ils ne viendront pas là. Ils vont éviter, ils vont peut-être creuser jusqu'ici, puis ils s'arrêteront. Ils ne viendront pas ici. Par contre, ils pourraient venir là. Mais bon, ça fait un petit peu loin quand même pour eux aller. Même chose ici. Ben, ils vont pas venir, ils vont s'arrêter.
Et donc, ils vont pouvoir venir dans le rayon ici, dans tout ce qui touche. Par contre, à la limite, ils pourraient venir ici, effectivement. Mais je crois que j'en ai remis un autre là. C'est ça, une autre tourelle ici, qui va également bloquer tout l'ensemble. Donc toi, je t'ai demandé d'être désactivé. Toi, tu es désactivé. Et le petit dernier, on va aussi te désactiver. C'est parfait. Voilà, vous avez compris le principe. Alors ici, 2120, on devrait remonter. 3388, ça descend bien quand même. C'est vrai que s'il n'y a pas de vent, ça va devenir un peu plus compliqué. Ça diminue tout doucement. Voilà, on est un peu reparti vers le positif. C'est bon pour moi. Ok. Ok, Bud, tu fais. Tu contemples une œuvre d'art. Voilà. Ok, 75, c'est bon. Grizzly. Les malules. Ok, Grizzly. Deux, c'est bien. Ça se remplit. On a une naissance. Dromadaire 14. Les animaux. Alors. Dromadaire 14, ici, on sait automatiquement qu'elle n'est pas enceinte, puisqu'elle vient d'accoucher. Tous les autres sont d'office enceintes, hein. Faut pas rêver. Est-ce que je vais buter quelqu'un? Bah, pour le moment, ça va. Pour le moment, ça va. 25 jours, bientôt celui-là. Ok. Bon, il n'y a rien de spécial à faire. L'onde psychique s'est arrêtée. On repart. Et on redescend notre chapeau. Il m'en faudrait un petit 4 en plus. Bon, qu'est-ce que vous dites de... Alors, ça c'est bon, la lampe est bien mise. On va la laisser. On va laisser finir ceci et on attaque. Je pense qu'on va attaquer ici. Alors, comment est-ce qu'on va attaquer ce truc ? Je pense qu'on va venir attaquer d'ici, hein? Avec qui? Avec Libellule? Ouais, avec Libellule. Et quelqu'un avec une grenade IEM. Ok, donc Libellule, bah, tu vas manger une fois que tu as fini ton truc. Bien que, il va falloir rajouter ici ça. Ici. Oui, je crois qu'on va attaquer. On va attaquer ça. Ok, on va positionner ici. On va démolir. Qui est-ce qui va faire ça? C'est anarchiste, je crois. Alors, anarchiste, je voudrais que... Non, pas anarchiste. Dan, t'as rien grand-chose à faire. Dan, prends-moi ça. Alors, Libellule. T'as strictement rien à faire là-bas. Je viens mettre un casque.
Un très bon casque. Et puis tu te prendras ton flingue. Ok, anarchiste, t'es où? Alors, je suis ici. L'éclipse se termine, c'est parfait. J'ai entendu un bruit de fusil. Alors. Plutôt le planning. Alors, anarchiste, tu reviens en colon intramuros. Genre, tu reviens en colon intramuros. Elle est bien. Donc, libellule, tu viens là. Ensuite, j'ai pris quelqu'un qui s'appelle Dame, mais qui va venir là-bas. Où es-tu? Un vendeur de produits exotiques. Dame, tu viens. Par exemple, ici, pour l'instant. Nous avons un vendeur de produits exotiques. Ça, c'est pour Monsieur Le Chauve. Comment se sent Sky pour l'instant? Elle est en moyenne. Et où est-elle? Ouais, elle est un peu loin pour que je puisse l'aider pour l'instant. Vas-y, tu vas là-bas. Bon, on s'occupe de nos affaires. Jean, viens un petit peu regarder ce qui se passe ici. Merci beaucoup. Ah, Libellule, ma chérie. Alors, bon, Anne, tu me vends des ânes et des ânes, tu me vends de la neutroamine, tu me vends des composants, je peux te vendre quelques joints, tu vends du plastacier. Tu vends un artefact. Tu vends de l'armement compact, des membres spécialisés, une armure de cataphract. Bon. L'armure de cataphract est très intéressante. Ensuite, tu vends un nid esthétique. Ça m'intéresse. J'aurais préféré le construire moi-même. Déjà, ça c'est chouette. Je peux vendre mon trimbo. Un lance-roquette triple. Ensuite, tu me vends un télescope, mon ami. Tu me vends un télescope. C'est pas mal, un télescope. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
bras pour être prendre anesthétique pour notre ami Dan. C'est cher tout ça. Hein. J'aime bien quand même ce truc. Carotte, ça m'en fait 4. Alors je peux dépenser encore 1800. Armement compact, c'est pas si mal, hein. Faut pas croire que c'est mauvais. Hein. Ça va très bien si je peux mettre un. La lame de coude, la main griffue, je peux pas la mettre sur. Le problème, c'est que je peux pas mettre ça sur ma bras. Je crois pas. Il faut que. Ni une jambe bionique, je veux dire, c'est ça que je veux dire. Est-ce que ça fonctionne avec mes. Avec. Quand on ajoute ça. Je sais que je peux pas mettre de main sur un bras bionique, par exemple. Ah, donc je pourrais sans doute pas mettre de lame de coude ni de pique de genou. Bon, on va pas prendre. Si on le reçoit, on le reçoit et puis c'est tout. Alors. Est-ce que c'est du caniveau ces trucs-là? Concentration. Concentration. Ah, augmentant ses capacités visuelles, auditives et kinétiques. Ah, c'est sympa ça. Mais c'est un niveau de lien psychique 4. Ouais, donc tu oublies quoi. Hein. Tu oublies. C'est niveau 4. Ouais, c'est sympa. Ça permet d'augmenter tout. La manipulation, la vue, etc. Bon, ben, je crois qu'on va prendre encore un petit peu de. De plastacier, si je te prends touche à combien 1375, c'est un peu trop. On va en prendre une. Voilà, je pense que. On va essayer de rester à zéro. Voilà. Je garde un peu de sous. Je vais me prendre d'artifact de folie. J'en aurai deux comme ça. Voilà, je pense que c'est bien. Un petit peu de composants. À 34, il me faut 12 acier. On va faire gagner un peu de temps. Voilà. La neutroamine, j'en ai encore. On peut peut-être en prendre un peu plus, mais je ne pense pas que ce soit vraiment. Ça en vaille la peine. Anesthétique. On va prendre anesthétique. Bien, voilà, comme ça, j'ai claqué tout mon pognon. Allez, hop, au revoir. Voilà. Et on va mettre un esthétique à notre ami. Et puis c'est tout.